Kolda, capitale du Fouladou, chef-lieu de région au sud du Sénégal. Le centre-ville se montre plus ou moins propre. Le décor est tout autre dans d'autres quartiers. Complainte d'une femme qui ne sait vraiment pas à quel sein se vouer. Désagrément total à Gadapara après chaque pluie. Mariama nous fait visiter quelques maisons. Kolda, une ville pluvieuse. La mairie est interpellée. Elle doit mettre en place un système d'évacuation des eaux de pluie. La promesse n'est pas encore concrétisée. On le déplore aussi beaucoup à Ilel, un autre quartier périphérique. Nous n'avons pas de canaux d'évacuation. Malheureusement, quand l'eau qui vient, par exemple au niveau de Mangoukourou, on devait mettre un radier en eau qui doit verser et mettre maintenant un canal qui doit aller, parce qu'on a un réceptacle d'eau au niveau de Kolda. Nous n'avons pas de problème si on avait des canalisations. Parce que nous avons un réceptacle qui est le fleuve. À Ilel, pourquoi le nom de Ilel? Ilel, ça veut dire que là où les eaux ruissellent. Donc si les eaux ruissellent, s'il y a des canalisations, on n'aurait pas eu des inondations, des latrines qui sont pleines, des puits qui sont pleins, de l'eau qui est devenue imbuvable. Kolda et les eaux usées. Kolda et l'état d'immondice. Un problème réel d'assainissement, la collecte, le traitement et l'évacuation des déchets, quels qu'en soient, solides, liquides et des excréments, demeure une préoccupation majeure. Parce que l'assainissement a besoin d'une infrastructure qui n'existe pas. On est en pleine urbanisation avec la communalisation intégrale. Ça accroît le processus d'urbanisation. Malheureusement, il n'y a pas de dispositif important de mise en place d'infrastructures liées à l'assainissement. Que ce soit dans le domaine des eaux de pluie, de l'évacuation des eaux de pluie, que ce soit dans le domaine des eaux usagées. Aujourd'hui, c'est un véritable problème qui est là, qui touche presque toutes les collectivités. Malheureusement, elles n'ont pas suffisamment de ressources financières, humaine, de technicité pour prendre en charge cette problématique. C'est un processus qu'il faut prendre en compte tous les éléments composants l'assainissement, de la collecte des déchets jusqu'à leur transformation ou bien leur évacuation en dehors de la collectivité territoriale. Et dans ce processus-là, nous avons constaté qu'il y a des efforts qui ont été faits par la collectivité territoriale, notamment par l'installation de poubelles, mais aussi par des moyens de transport de ces déchets. Mais le constat le plus important, où vraiment le bas blesse, c'est qu'il n'y a pas trop de coordination par rapport à l'ensemble de ces activités. Premièrement, d'abord, à la base, les populations ne sont pas très organisées pour prendre en charge ces questions d'assainissement. Nous avons des réseaux de canalisation par-ci, par-là, mais la question de l'assainissement doit être prise en charge par un système. Des réponses fragmentées. Un canal par-ci, un projet de mise en place de latrines par-là ne règle pas de façon définitive et durable le problème de l'assainissement. Il s'agit d'avoir un système d'évacuation des eaux de pluie, un système d'évacuation des eaux usagées,
mais aussi de pouvoir tirer quelque chose de l'économie de l'assainissement. Absence de dispositif adéquat, alors on se débrouille. Mbalit bi mom ñun de dañuy faral mom ku am mbalit bu da ngay genné ci biti nga lakal sa bop wala nga xol fi nga xamantene fofu lañuy dajalé mbalit ñu dajalé ko fa buñu paré ñu lakku ko wayé auto yi mom duñu yegg ci biir quartier yi lolu mom nek na suñu jafé jafé parce que instant yi ñongi dajé ci yoon bi maangi ni di dox parce que auto yi duñu nango dugg ci biir ndax té talib yoon yépp yaq amuñu benn yoon yoon amuñu ko ndox bi mo yaq yooni des tricycles et un camion servent de moyen de collecte des ordures dans la commune de Kolda. Des poubelles sont aussi installées au centre-ville et au niveau des places publiques. Un système loin de satisfaire la demande sociale. La mairie a-t-elle alors échoué à la préservation de l'environnement dans le périmètre communal? Les habitants le croient fortement. L'adjoint maire reconnaît qu'il y a des difficultés certes pour le drainage des eaux de pluie, mais soutient que des efforts sont faits pour le reste et appelle à la responsabilité citoyenne. Oui, donc je disais que la décentralisation et la gouvernance territoriale sont deux concepts intrinsèquement liés dans la mesure où, en réalité, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Ça va de pair en réalité. Le développement se passe dans nos territoires. Donc, du coup, ces deux concepts sont liés parce qu'en réalité, on ne peut pas développer hors de nos territoires. Et quand on parle de nos territoires, on parle de territoire dans le sens large du terme, avec tout ce que cela englobe en termes de ressources. Et je pense que aujourd'hui, si on se réfère à l'actuelle de la centralisation, vous conviendrez avec moi que la participation citoyenne est érigé en principe. C'est érigé en principe pour permettre à tous les acteurs se trouvant au sein des territoires de participer effectivement à l'effort de développement au niveau des territoires. Des actions citoyennes foisonnent pourtant dans la ville de Kolda, celles allant dans le sens de rendre plus attrayant le cadre de vie. Daouda Sidibé en est conscient. On sent une forte présence citoyenne tous les jours. Les actions citoyennes foisonnent. Mais, comme je l'ai dit justement, cela gagnerait à être encore mieux articulé, mieux coordonné, plus d'impact. Ils ont fini par comprendre que les mandants que nous sommes ne peuvent pas porter à eux seuls tous les défis de développement liés à nos terroirs. Nous avons pu identifier les dépôts sauvages, mais le problème, c'est comment transférer les déchets hors de la commune. C'est là où le problème se pose. Et c'est à ce niveau-là que la collectivité territoriale, nous constatons, pêche un peu sur le processus. L'autre côté aussi, c'est la sensibilisation des populations pour comprendre que l'assainissement doit être d'abord un élément qui doit être inséré dans nos comportements quotidiens. Il arrive chaque année qu'en période préhivernale, nous prenons ce qu'on appelle au curage des caniveaux. Mais juste quelques jours, pour ne pas dire semaine après, on revoit que les caniveaux reviennent à la situation d'antan ou même pire. Parce que les citoyens n'hésitent pas à y jeter des ordures, certains n'hésitent pas à ouvrir leurs égouts directement connectés au niveau des caniveaux. Bref, tout cela quand même, c'est des comportements à déplorer. Les ordures jetées dans ce caniveau avaient atteint ce niveau. La mairie, elle aussi, étend les difficultés auxquelles elle est confrontée. Ce que ce chef de chantier déplore, c'est qu'en espace de quelques temps, ils sont revenus sur les lieux nettoyés encore. Si on enlève les saletés sur les canaux, la nuit, les femmes ils vont amener leurs saletés sur les canaux. Si on parle, on revient le matin, on trouve encore les saletés. De l'incivisme tout simplement, avec des conséquences liées à un environnement malsain. La proximité avec les ordures et les eaux usées peut engendrer des maladies, la diarrhée, le choléra et le paludisme par exemple. Voyez, partout c'est des herbes, partout. Hein? La nuit, tu ne dors pas à cause des moustiques. Hein? Rentrez dans les maisons, vous verrez. Dans 10 maisons, vous verrez peut-être 8 qui sont malades. Dans 10 maisons. Qu'est-ce qui fait ça? Mais c'est l'eau stagnante. C'est les carcasses d'animaux qu'on a agitées partout. Hein?
c'est des tas d'immondices, d'ordures, qu'on n'évacue pas. Il n'y a pas de bac à ordures, mais il n'y a rien à Ilel. Donc le citoyen doit comprendre aussi que en travaillant pour que son environnement soit sain, il contribue en même temps à sa propre santé, il contribue en même temps à son propre développement. Parce que nous constatons depuis quelques années, pendant les périodes hivernales, les gens dépensent énormément de moyens pour ces questions de santé. Et on voit, donc cela suppose que dans ce cas de figure, que les gens perdent énormément en termes économiques pour la prise en charge des gens qui tombent malades pendant les périodes hivernales liées à la diarrhée, des maladies liées au paludisme, etc. Donc c'est des pertes énormes en termes d'économie dans nos collectivités territoriales. Donc si on n'a pas un processus assez huilé qui nous permet de prendre en charge tout ce processus-là, la collectivité locale va se confronter à des difficultés économiques liées aux dépenses énormes pour les populations en matière de santé, mais aussi des dépenses énormes en matière d'investissement dans ces domaines-là. Le jeudi 8 août 2019, le président Macky Sall procédait au lancement de la campagne nationale de la promotion de la propreté, une mobilisation sociale pour rendre notre environnement propre au moins une fois par mois. Depuis lors, beaucoup d'initiatives. Mais faudrait-il que l'engagement citoyen soit soutenu par d'autres stratégies permettant d'obtenir des résultats souhaités? Il faut nécessairement s'intéresser aux acteurs du territoire. Parce que ce qui fait la différence entre l'espace géographique et le territoire, c'est les acteurs. Et ce n'est pas des populations ou des acteurs qui vont venir d'ailleurs pour prendre en charge cette préoccupation. C'est les acteurs qui sont sur le terrain qui devront être impliqués dans tous les processus de sauvegarde, d'entretien, de maintenance, de surveillance de l'environnement. Si ces acteurs s'approprient la démarche, si ces acteurs peuvent tirer profit de la valorisation des ressources, je pense qu'il y aura moins de problèmes. Mais tant que ce sera une affaire de l'État ou des organisations internationales, on aura des problèmes. C'est pourquoi c'est extrêmement important de peaufiner les stratégies qui nous permettent une véritable appropriation des acteurs locaux pour la prise en charge de la problématique de l'environnement. L'assainissement, une compétence transférée, un domaine complexe. Kolda, à l'image des autres villes du Sénégal, peine à se débarrasser de ses ordures. Les moyens matériels et technologiques font défaut. Les habitants de la ville doivent aussi changer de comportement. C'est en ce moment-là que le défi sera relevé.